Donc, je m'appelle Delphine Glachant, je suis psychiatre à l'hôpital public dans le Val-de-Marne. Je fais partie du Printemps de la Psychiatrie, collectif qui est né en fin 2018, début 2019. C'est un collectif composé non seulement de professionnels du soin psychique, mais également d'usagers, de familles et de citoyens. C'est un collectif ouvert. Enfin, je suis aussi présidente de l'USP, un syndicat de psychiatres d'exercice public. Mon travail, je l'exerce en service de psychiatrie adulte, principalement en unité d'hospitalisation, mais également en centre médico-psychologique où je fais des consultations, ce centre étant relié à l'unité d'hospitalisation pour la continuité des soins. C'est la grande préoccupation que j'ai pour l'hôpital public qui est, à mon sens, en voie de destruction, enfin en tout cas tel que moi je l'imagine et enfin, je le conçois. C'est-à-dire, pour moi, l'hôpital public, c'est un accès aux soins à tous, gratuit, rapide, facile, avec le temps qu'il faut pour soigner les gens. Et en fait, depuis des années de ça, on voit comment les choses se resserrent, les services fusionnent, le temps est compressé, les objectifs de l'hôpital ne sont plus que budgétaires, enfin, il n'y a pas de politique de santé au sens large. En psychiatrie, on en fait particulièrement les frais, puisque on a été complètement sous-doté budgétairement depuis des années et des années. Il y a eu des fermetures de lits massives, hein, 40 000 lits fermés dans ces 30 dernières années. On est complètement pressurisé par le fait qu'il y a eu, depuis 20 ans, une augmentation de la demande très importante et à effectif constant, parce que s'il y a beaucoup d'endroits où il y a des postes vacants, les effectifs théoriques sont constants. Mais voilà, on n'arrive plus à répondre à la demande, on nous impose des choses qui nous détournent complètement du sens de notre métier. On a eu un empilement de couches administratives depuis des années et des années, ce qui fait qu'on est complètement pris par ça, on est de moins en moins disponible pour les patients. Donc l'ambiance dans les services s'en ressent nettement, avec un accueil qui est de moins en moins satisfaisant, enfin, de moins en moins accueillant justement, et donc des tensions énormes, des personnels qui sont épuisés, qui ne comprennent plus tellement ce qu'ils font et qui d'ailleurs se détournent de l'hôpital. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui quittent l'hôpital, et notamment des psychiatres. Hein. Il y a une fuite vraiment en masse. L'hôpital public fait un virage vers le privé, enfin, et se décentre vers le privé. Le soin se décentre vers le privé. Dans l'hôpital en général, il y a eu le virage ambulatoire. En psychiatrie, on va nous l'imposer aussi, mais sans effectifs, sans moyens correspondants. Donc on ne sait pas trop comment on va faire, puisque les directives vont plutôt dans la fermeture encore davantage de lits, alors qu'on en a déjà fermé beaucoup. Et en plus, ce qui nous préoccupe beaucoup en psychiatrie, c'est l'orientation vers les neurosciences, c'est-à-dire que tout ce qui est de considérer le patient comme un être pensant avec une vie psychique, et que c'est peut-être de là que viennent ses difficultés, de son histoire, de voilà, ce qu'il a vécu. Maintenant, on considère le patient présentant des troubles psychiatriques comme ayant une maladie du cerveau, en fait, enfin, et qu'il faudrait rééduquer par des thérapies comportementales. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant et ça aussi, enfin, en tout cas, c'est le sens de mon engagement non seulement au Printemps de la Psychiatrie, mais même aussi dans cet atelier-là. Enfin, je viens chercher une réflexion pour arriver à retrouver sens à mon travail, goût à mon travail, et surtout sortir de mon isolement, même si le collectif du printemps, mon engagement syndical aussi, ce sont des manières de sortir de mon isolement. Parce que évidemment que la psychiatrie, c'est une discipline de la santé, mais à la limite, c'est même la psychiatrie, c'est presque de la médecine générale, hein, puisqu'on s'intéresse au psychisme, mais aussi au corps. Enfin, on prend le sujet dans sa globalité. Alors, ce que ça me dit, enfin là, comme ça, ça me fait penser à notre société divisée. Et en ce moment, c'est quand même extrêmement préoccupant. Il y a quelque chose qui se disloque, il y a des tensions croissantes dans la société. Je ne sais pas trop vers où on va, mais c'est de plus en plus violent en tout cas. Par rapport à ça, il est nécessaire et urgent de retrouver une base de choses qui nous réunissent, donc des communs, et la santé est un commun, voilà, qui peut nous réunir. Bon, il y a aussi la question de l'environnement, enfin, retrouver de l'intérêt pour l'autre, pas juste l'intérêt pour se battre, parce que on en est là, ça doit être cette impression. Voilà, c'est peut-être une utopie, mais retrouver des choses qui nous animent ensemble pour aller vers l'avant. L'hôpital, pour l'instant, enfin, il est pensé d'une façon totalement verticale, avec des gouvernants qui décident de choses qui ne sont pas une politique de santé, mais qui sont des façons d'affecter des ressources pour que les gens soient en bonne santé, soient les agents de production les plus efficients. Voilà. Et l'hôpital est quand même coupé, enfin, non seulement de ces... Enfin, c'est très pyramidal, il y a ces décisions-là, après il y a les professionnels de santé qui sont dedans, qui sont pris en étau dedans. Mais qui sont enfermés aussi dans l'hôpital. Et ça ne peut pas évoluer si on reste juste dans ce schéma-là. Et pour repenser la santé, il faut ouvrir l'hôpital vers les citoyens et faire un système qui fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire que les citoyens, tous, y compris moi d'ailleurs, je suis aussi citoyenne qui peut avoir besoin de soins, chacun puisse dire ce dont il a besoin et que les choses se réaménagent par le bas et restent horizontales tant qu'à faire. Accueillir les propositions des personnes qui vont être amenées à se soigner, qui sont en soins. Et notamment en psychiatrie, au printemps de la psychiatrie, c'est une chose importante, c'est qu'on tient à la place des usagers dans ce collectif, qui nous apporte beaucoup. Ils ont un savoir expérientiel qui doit être pris en compte, enfin, qui est très riche. Et par exemple, enfin, puisque c'est une problématique qui nous agite beaucoup en ce moment au sein de la psychiatrie publique, les questions d'isolement et de contention, ce sont des associations de patients qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour pointer le fait que des personnes donc, qui, en isolement ou sous contention, étaient encore plus privées de leur liberté de circuler que ceux qui sont déjà en soins sous contrainte à l'hôpital. Donc suite à ça, il y a eu une décision du Conseil constitutionnel de légiférer sur la question pour faire entrer le juge des libertés et de la détention dans ces problématiques, qui est une décision donc, judiciaire de validation ou pas de ces pratiques. Alors, ce qui est fondamental, hyper important que ça se passe comme ça. Et on remercie ces associations de patients d'avoir saisi le Conseil constitutionnel pour ça. Le résultat, après, dans les services, c'est justement de nous avoir remis une couche de travail administratif énorme, qui fait péter les plombs à tous les psychiatres là, dans les hôpitaux publics. C'est-à-dire qu'on est amené à passer encore plus de temps là, derrière nos, nos postes informatiques pour valider les procédures, parce que c'est ça, il faut valider des procédures, il faut faire des certificats, etc. Donc c'est complètement fou. Et là, c'est d'ailleurs la goutte qui fait déborder le vase et qui, en ce moment, est en train de nous rendre fous, quoi. Alors que les problématiques d'isolement et de contention, elles nécessiteraient, pour évoluer et diminuer surtout, enfin déjà de prendre absolument la décision de stopper la contention, hein, qui n'est pas une méthode de soins, qui dans des cas exceptionnels peuvent servir à protéger la personne de très agitée. Il faut absolument travailler sur, enfin, avancer sur les questions des effectifs. Hein. C'est évident que quand il y a du personnel disponible pour s'occuper des patients, eh bien, ils vont beaucoup moins en isolement parce qu'ils sont bien accueillis, ils trouvent quelqu'un qui est à leur écoute, les infirmiers, les psychiatres peuvent contenir les angoisses, l'agitation que manifestent ces patients. Donc les effectifs, les formations, hein, les personnels ne sont pas assez formés. Pas bien formés, enfin, et les formations pour les infirmiers, c'est terriblement appauvri depuis 1992, hein, quand il y a eu la fin du diplôme des infirmiers de secteur psychiatrique. L'internat en psychiatrie, c'est pareil, il est très très orienté maintenant sur le comportementalisme et la psychiatrie biologique. Et il y a d'autres choses qui peuvent améliorer ces questions-là, c'est trouver d'autres solutions, des chambres d'apaisement dans les services qui permettent d'accompagner les patients qui sont agités, angoissés. Et puis, ce qui a été amené justement, et là je reviens sur ce qui peut venir des citoyens, des usagers, ce qui est des directives anticipées. Donc, c'est d'ailleurs un terme qui est contesté par la FNAPSY, qui est une grosse association d'usagers en psychiatrie, parce que ça renvoie aux directives anticipées pré-mortem, en fait. Hein. Donc c'est un côté quand même un peu morbide. Les sujets qui présentent des troubles mentaux sont bien vivants. Donc voilà, il y a ce terme qui est apparu. En fait, derrière ça, il y a la possibilité pour les patients d'exprimer dans les phases où ils vont assez bien, où ils sont stabilisés, d'exprimer ce qu'ils attendent des soignants dans les périodes de crise. Et c'est très important parce que ça permet de discuter de l'isolement, éventuellement. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Comment on pourrait faire si à un moment vous vous trouvez dans un état tel que on n'arrive plus à vous contenir? Qu'est-ce que vous pensez de l'isolement? Et dès lors qu'il y a des mots qui sont posés sur tout ça, on avance. Et ça permet, à mon sens, de diminuer le recours à l'isolement. Parce qu'il y a une prise de conscience, il y a de l'échange, bon, après, ça ne veut pas dire que ça résoudra tout, hein, parce que, mine de rien, oui, il y a des patients, quand ils sont en crise, bon, voilà, ils ne maîtrisent plus ce qui se passe, ils en oublient ce qu'ils avaient pu dire avant, même si ça a été longuement parlé, enfin bon, voilà, ça arrive aussi, hein, mais c'est un travail au long cours, c'est très intéressant, et ça vient des usagers. C'est ça, c'est partir du bas, quoi. Qu'est-ce que les usagers de la psychiatrie, ils attendent des professionnels?